Ouais, c'est comment les gars? Ceux qui sont là, venez 2 minutes avant de parler, puis il y a Gaëtan. Il était en train de faire Ouzo vacances. Tout ça là. Il était déchargé et tout. Je viens de rentrer à la maison, j'ai allumé mon téléphone. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me taguent partout sur les commentaires là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis toujours, moi, je n'aime pas qu'on me tague. Vous pouvez commenter mes trucs, mais arrêtez de me taguer là. Vous aimez trop ça aussi, vous là. Oh. Taguez les gens partout, ça donne mal à la tête. Yannick Dola, c'est comment? Il y a quel discours dans le pays là, deux jours et puis on ne peut pas respirer là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous fatiguez les gens maintenant là. Bon, bref. Ce matin, j'ai eu à répondre à une vidéo de mon frère DJ Kejevara. Apparemment, c'est une réponse qui a choqué plus d'une personne. Donc, les gens ont commencé à me taguer dans les réponses, dans les commentaires là. C'est par rapport à ça que je fais ce direct. Pour apporter deux précisions rapides. Et puis bon, après, chacun va penser ce qu'il a envie de penser. D'accord? Depuis hier, je vois nos amis de la diaspora. Je vais parler de DJ Arafat et de Bordeaux, ainsi que Kejevara, Claire Bailly et tout, qui ont commencé à faire des vidéos par rapport aux awards du coupé de Calais, qui est devenu aujourd'hui les Primudes. Voilà. Bon, nous on les regarde. Je suis venu, j'ai fait mon petit statut, tu vois. Histoire de... Bon, bref. Ça, c'était hier. Matin, je me réveille. Je vois que les gens m'ont tagué dans une vidéo. Je regarde la vidéo. C'est que je vois là qu'il est en train de parler. Comme quoi, il est en train de me donner des conseils. Dans sa vidéo. C'est pas mauvais, hein, de donner des conseils. Tu vois? Si je me rappelle bien, quand il parlait... Il a commencé par une phrase. Il a dit: Serge Beno, tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis tout le reste a suivi. Que je verra. Tu ne m'estimes pas. Tu ne m'apprécies pas. Parce que quelqu'un que tu apprécies là, quelqu'un que tu estimes là, et que de surcroît tu as son numéro de téléphone, tu viens pas sur Facebook pour lui donner des conseils. D'accord? Tu dis non. Oh, il me met dans les séances où les débordos insultent ma famille. Les débordos insultent mes parents. Nanana. Bon, c'est mes parents, c'est ma famille. D'accord. C'est pas mauvais, hein? Mais que tu verras. Depuis le jour où débordos m'a insulté là, tu as fait combien de vidéos pour parler de ça? Pour me dire d'arrêter mes histoires de débordos. Tu n'as pas fait une seule vidéo. Tu m'as jamais appelé pour dire: mon frère, ah, tu sais que tu apprécies beaucoup, non? C'est que tu as commencé à faire la faute qui te regarde. Tu n'as jamais fait ça. Aujourd'hui, comme vous êtes dans vos petits buzz de Primudes, mais quoi là, tu vas venir me mêler dans vos trucs. Faut arrêter ça, frère. Faut arrêter ça. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt pour une personne. Quand tu vois que cette personne est en train de déconner et que tu as son numéro de téléphone, appelle la personne. Que je vois là, tu m'appelles et tu me dis: frère, hier j'ai vu que tu as fait un poste. C'est pas trop ça, faut arrêter.
Voilà. Et puis on se parle entre frères. Mais quand tu viens sur Facebook pour parler et que tu commences pour dire non, je t'estime beaucoup, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, ce que tu estimes, ce n'est pas Benoît. En fait, la personne que tu estimes, ce n'est pas Benoît, c'est l'opinion publique. Ce que les gens vont penser de toi en faisant cette vidéo, c'est ça qui t'intéresse. Tu comprends? Donc, ton jeu, tu es dedans là. Nous, on connaît ça. Tu comprends? Voilà, tu ne m'as pas respecté. C'est pourquoi je t'ai répondu de la façon dont tu m'as parlé là. C'est comme ça aussi, moi, je t'ai répondu. Sinon, ce n'est pas une affaire de quelque chose, il n'y a rien contre toi. Tu comprends? Voilà. Si tu as un problème avec moi, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu me parles. Moi, je préfère, tu vois, un débordeur, par exemple, qui assume, qui vient et qui m'insulte. Voilà. Ou bien un Rafat qui vient, qui assume, qui m'insulte. Mais pas un Kedjevara qui va se jouer les sages. Jean est trop sage, de toute façon, pour venir parler, Jean. Oh. Mon frère, faut laisser. Faut laisser ça là, mon frère. Tu sais pourquoi tu es venu faire ça? Tu sais quel point tu es venu chercher. Voilà. Donc, c'était juste pour éclaircir ce petit point-là. Et c'est comme ça les artistes du coupé décalé se comportent. C'est de vrais hypocrites. Quelqu'un qui a un problème avec toi, qui a son numéro de téléphone dans son portable. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qui m'appelle depuis là? Quelqu'un qui a un problème avec toi, qui ne t'appelle pas et qui se met sur Facebook. Enfin, moi, je ne comprends pas. Moi, Beno, moi, je ne fais pas ça. Voilà. Peut-être que c'est ça que vous appelez l'hypocrisie chez vous, hein. Mais chez moi, là, c'est pas ça. Voilà, c'est comme tiens. Oh, arrêtez de m'appeler là, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Voilà, c'est comme tu as un problème avec ton voisin. Vous êtes voisin, vous êtes à l'étage. Hein? Tu dis que tu l'estimes beaucoup, tu veux lui parler. Mais va, tu frappes à sa porte, et puis tu rentres chez lui, tu lui parles. Mais tu ne vas pas te mettre au carrefour du quartier pour crier. Pour dire, toi, la fois, arrêtez ça. Ah, toi aussi, tu es comment? C'est pas comme ça. Tu veux, tu cherches quel nom? Oh, qui m'appelle depuis là? Tu cherches quel nom? Hein? Donc voilà. Voilà un peu pourquoi j'ai répondu comme ça. Voilà. C'est pas parce qu'il y a quelque chose contre lui, non. De la façon, il m'a pas respecté. C'est quoi aussi? Moi, il lui a répondu en foutaise aussi. Voilà. C'est tout. Donc, prenez ça comme vous voulez. Mais ce que moi je dis, c'est ce qui vient de mon cœur. Tu comprends? Mais c'est pas sûr que je vois. Ce que tu as dit dans ta vidéo là, c'est pas sûr que ça vient de ton cœur. Parce que si ça vient de ton cœur là, tu allais m'appeler. Tu as mon numéro, toi et moi, on s'appelle. On parle d'autres choses, toi et moi. Tu comprends? Voilà. La même façon, la dernière fois que tu avais besoin de moi, tu m'as appelé là. Tu pourrais m'appeler comme ça aussi pour me dire quelque chose. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on dit qu'on estime. Voilà. C'est pourquoi il a toujours dit que Debordeaux Likoufa n'est pas mon camarade. Pour ceux qui disent que lui là, c'est mon ami là. Parce qu'un ami, quand il a un problème avec toi, il t'appelle et puis vous causez. Il ne vient pas sur Facebook pour faire ça, pour venir exposer vos problèmes. Ça, oh, qui m'appelle depuis là même? Oh. Ça là, c'est pas l'amitié. Voilà. C'est pas l'amitié, vous comprenez? Voilà. Donc, pour ceux que ça a choqué, je m'excuse, mais il y a Goto. Si demain il fait ça encore, ou n'importe quel artiste fait ça encore, sous le prétexte qu'il m'estime, je vais répondre aussi comme ça. Voilà, parce que moi aussi, il estime que j'ai répondu comme ça. Mais quand tu m'estimes, appelle-moi, parlez-moi. Voilà. Pas te comporter comme ceux qui n'estiment pas les gens. Puis c'est quoi? C'est que ceux qui sont hypocrites là, c'est quoi? Ils se comportent. Bon, bref. Voilà, il y a quelqu'un qui m'appelait depuis là, il ne comprenait pas. Il disait quand même là. Bon, bref. J'espère que vous avez compris. Maintenant, vieux Ben Mola. J'ai vu ton direct là où tu t'es sapé en chemise noire où tu es venu donner des explications là. C'est bien. Mais vieux Mora, moi, je suis parlé à toi. Hein. La vérité. Tu as expliqué les trucs, tu as expliqué les trucs, c'est joli, c'est bien beau. Mais faut nous dire la vérité aussi. Parce que hier, tu étais au Maroc. Hein? Et quand tu étais au Maroc là-bas, là,
Tu as dit que si tu rentres à Abidjan, tu vas djinzin. Tu as sorti les papos, les notes vocales de Arafat, de Bordeaux, de tous les gars là. Hein? Le soir, ils ont fait vidéo pour tes garants, pour dire qu'eux aussi là, ils ont les papos. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu n'as plus donné les papos, mon vieux. Hmm? Tu es venu, tu as acheté un des discours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc, ça dit que les gens qui disaient que, que avoir de couper des cahiers là, c'est entre vous là-bas, vous organisez ça, vous truquez là, c'est la vérité. Ben, peut-être c'est ça qu'ils allaient dire. Tu as vu que ça allait casser le papo, tu es venu, tu as parlé de tout, sauf l'affaire même pour laquelle tu as dit que tu venais à Abidjan, tu allais gâter. Tu n'as rien dit. Dans mon vœu, ton affaire là, c'est pas clair. Ça va clair. Ben, il n'y a pas de drap. Voilà. Comme moi, je te dis, et je te dis toujours, moi, je te soutiens. Voilà, pour ce que tu fais. Les awards, c'est une belle initiative. Voilà, c'est très bien. Mais je ne sais pas si tu te rappelles l'année passée, je t'avais dit, j'avais fait un direct que j'ai dit que si tu ne t'organises pas comme il se doit, si tu ne fais pas les choses dans la transparence, tu ne vas pas faire 3e édition de ça. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ah! Tu vois, non? Mais là, tu as été esprit. Tu as cherché le truc. Tu as ajouté les zouglous, les hip-hop, tout ça là-haut. Ça, tu as brûlé ton main sur ce côté-là. En tout cas, tu as été intelligent. Sinon, si tu as avoir de couper, de caler ce moment-là, ça n'allait même pas se passer cette année-là. Tu vois? Mais bon, pour moi, c'est un jeu. Comme il a toujours dit, moi, il ne vient pas. Je vais m'amuser, tu vois. Je te soutiens. Je soutiens l'initiative. Mais ton affaire, tu fais au figaro là. Ta mère disait que je ne suis pas allé à ça aussi. Voilà, comme l'année passée, tu n'as pas donné les bons cachets. Voilà. C'est pourquoi moi, je ne suis pas allé jouer. Tous les artistes sont allés jouer là-bas. Ils ont pris les 1 million que tu as donné là. Moi seul, je ne suis pas allé jouer. Tu comprends? Cette année encore, je suis disponible. Comme tu es en train de discuter avec mon manager, j'espère que vous allez bien vous entendre. Et que tu vas payer le cachet comme il se doit. Et on sera là. On va faire le spectacle. Et les awards, on sera aussi là. Voilà. Même si je ne joue pas au Figaro, ce n'est pas grave. Les awards, je serai là. Comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs. Je tenais à m'excuser si mes propos envers que je vois là ont choqué plus d'un. Mais, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Ce que Kedjevara a fait, ça s'appelle l'hypocrisie. Si Kedjevara ne me connaissait pas, si Kedjevara n'avait pas mon numéro de téléphone, et qu'il avait fait ça, franchement, j'allais même pas répondre. Tu vois? Voilà. Mais quand tu viens faire un truc, et puis même, de toute façon, on a commencé là, mais c'est ça même qui a gâté mon cœur. Même. Si tu peux t'affirmer pour dire que. Lui là, il n'aime pas, mais il n'est pas prêt pour lui. Et puis tu fais ta vidéo, il n'y a pas de drap. Et quand tu commences une vidéo et que tu dis, j'ai beaucoup d'estime pour toi, Serge Beno, alors que tu as mon numéro, mon frère, c'est de la foutaise, tu n'as pas d'estime pour moi. Hein? C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Moi, je commence ma tournée bientôt là. Voilà. Donc, 10-15 jours à l'intérieur du pays. On va faire 10 villes pour faire plaisir à nos fans. Ça fait 10 ans que vous me soutenez, 10 ans que vous êtes avec moi. Cette année, on va s'amuser ensemble. On va vivre ensemble tout ce qu'on a commencé depuis Kouman Libé jusqu'à aujourd'hui. J'ai 10 concerts à faire. D'accord? Attendez-vous à moi. D'ici la semaine prochaine, je vais vous donner tout le programme et puis on arrive dans vos villes pour s'amuser. Ok, voilà. Quand les nominations des Primud vont venir, nous on est dedans. Voilà, ceux qui veulent pas, ils n'ont pas quitté, on s'en fout. Nous on est dedans, on va faire. Voilà. Et puis les artistes de la nouvelle génération, enfin,
On dit nouvelle génération, mais ça, c'est une expression que Moula même a créée. Lui-même qui a envoyé ça même. Sinon, les vieux comme les Safarel, là, depuis moi, je chante comme mon bébé Safarel chantait aussi. Hein. Ce n'est pas une nouvelle génération. Bref, ceux qui se disent qu'ils sont dans une nouvelle dynamique, n'écoutez pas les gens qui sont en train de parler, les artistes qui sont en train de parler là. Hein. N'écoutez pas ça. Hein. Si vous voulez rentrer dans là, vous allez perdre tout. Les awards, c'est une bonne chose. Voilà. En tant qu'artiste, c'est quelque chose qui va vous apporter de la visibilité. C'est quelque chose qui va vous aider à développer vos carrières. Donc, participez aux awards. Mais en fait, les figaro en s'en jouant du concert gratuit là. Bon, ça, c'est chacun son chacun. Celui qui s'intéresse, c'est s'en jouer. Si ça t'intéresse pas aussi, il faut pas aller. Voilà. Mais moi, je vous conseille de participer aux awards. Voilà. En tout cas, moi, je vais participer. Voilà. Ouais, Benson Coffee, tu dis quoi? Tu laisses Kejivara tranquille. Est-ce que moi, j'ai d'ailleurs à faire à Kejivara? Depuis que tu me connais là, tu m'as déjà vu un jour, il a parlé de Kejivara. C'est lui qui a commencé à parler de moi aussi. Voilà. Que moi, c'est quelle génération? Moi, c'est pas. Moi, j'ai commencé à chanter en 2000, 2000, 2008, 2008, 2009. Donc, il faut me mettre dans la catégorie de tous ceux qui ont commencé à chanter à cette année-là aussi. Voilà. Ouais. Vous dites quoi même? Ranger, il dit aussi bête. Ouais, il comprend. Parce que entre quelqu'un qui est bête, qui fait une vidéo, quelqu'un qui est bête, qui vient. Quelqu'un qui vient suivre la vidéo d'un bête. Entre toi et moi qui est bête. Bête là. J'ai dit, moi j'ai une façon de régler mes problèmes avec les gens. Voilà. Je me souviens, il n'y a même pas très longtemps, de Bordeaux Likoufa. Je pense qu'il a fait une vidéo, je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais fait là. Mais en tout cas, j'ai senti que je l'ai frustré. Tu vois, non? De Bordeaux était moi ainsi et moi là, j'ai claqué tomber la nuit là. Il a appelé de Bordeaux. Il dit, frère ça, vraiment. Je ne sais pas s'il si a appelé, mais il a envoyé un message là. Frère ça, vraiment, il a fait une vidéo du là. Il a dit un truc là. Il a dit un truc là, non, vraiment. Moi, mais c'est que Esaïe, excuse-moi. Voilà. Il n'est pas derrière l'opinion publique. Il appelle de Bordeaux directement. Quand j'ai un problème avec n'importe quel artiste, ou même quand il doit le féliciter, ou même quand il doit faire quoi que ce soit avec un artiste, je l'appelle directement avant de venir me mettre sur Facebook. Mais quand tu laisses appel, tu laisses ça là pour venir te mettre sur Facebook et puis tu dis que j'ai de l'estime pour toi, tu es un menteur, c'est de la foutaise. Tu viens te rendre intéressant pour que les gens n'aient qu'à dire, ouais, hey, l'enfant il est trop sage, hey, l'enfant là il est trop mignon, hey, que voilà, il est le seul qui est dans son coin, il n'a pas affaire à quelqu'un, oh. Menteur là. Où tu es là, tu ne peux pas avoir affaire à quelqu'un. Fais tes morceaux, mousse pas, où tu as ta position, où tu es là, là. Tu peux avoir quel, tu peux dire quoi. Arrête de fatiguer les gens là. Bon, bref. Moi, je vous laisse là. Il était déchargé donc. Il a allumé mon téléphone, il y a trop de messages, les gens me bip bip ici, les notifications là, c'était trop. Alors, il fallait que je fasse une petite vidéo pour mettre ces deux, trois trucs au clair. D'accord? Sur ce, portez-vous bien. Et comme j'ai dit à tous mes fans, on va commencer une tournée dans 10-15 jours. Je vous donnerai le programme. On va passer dans 10 villes pour des concerts live. D'accord? On va s'amuser pour fêter nos 10 ans de carrière. Et puis bon, on est ensemble. Ciao, ciao.